Allez, c'est parti. Donc, le gros goron roule à l'étage d'en dessous. On va essayer de l'avoir d'ici là, loupé. Donc en fait, comme il est relativement lent, le but est d'essayer de mettre une bombe dans son passage. Sans moi faire des cas, si on manque des bombes, je sais ce que je vais faire, je vais les déverrouiller. Je me demande si j'envoie une bombe dans la jarre, si ça fait quelque chose. Ou attends, je vais faire le test, tiens. Hey, dame la jarre, tu veux pas venir? Ouais, du premier coup. Ah bah ça fait quelque chose, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Allez, fais-moi popper une récompense. Là en dessous, dis donc. Ah ouais, ça fait popper plein de rubis. 80 rubis, idéal si on en manque de thunes. C'est bon à savoir, ça. Donc voilà, là, on vient d'ouvrir l'accès à la boutique Goron. Bonjour, monsieur. Alors, on va acheter 10... Allez, on va acheter 10 bons pour 50 rubis. Alors, remarquez qu'on peut acheter d'ailleurs des cœurs, une tunique, mais ça, c'est pas pour maintenant. Et une potion rouge. La potion rouge, donc évidemment, c'est un médicament qui se stocke dans une bouteille et qui vous permet de régénérer, je sais plus trop combien de cœurs, je crois 8 ou 10, qui permet de restaurer l'énergie en cas de problème. Lui, il est à l'étage au-dessus. Voilà, il est à cet étage-là. Il est où, monsieur le Goron? Ah, il est là-bas. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'il faut l'arrêter sous le porche là-bas. Voilà, poser une bombe sur son chemin et avec un peu de chance. Là. Bah dis donc. Et voyons voir ce que dit le panneau. Ça se trouve c'est un panneau qui. En fait c'est un panneau qui est relatif justement à ce qu'il faut faire ici. Bonjour. Arrête ma course folle et je t'offrirai peut-être quelque chose. Voilà, on peut l'arrêter n'importe où. Allez. Boum. Réussi. Salut mon grand. Oh, oui, il est grand. Bah, pourquoi tu m'as arrêté? Pas ici, non, pas ici. Tu peux pas faire ça. Les roulés-boulés sont... Ouais, bon, bref. Donc oui, il faut l'arrêter là-dessous. On va laisser. Et ici c'est bon. Bon, prends ceci en récompense de ton courage. Et voilà, nous recevons donc un gros sac de bombes qui nous permet de stocker jusqu'à 30 bombes au lieu des 20 de base. Vous voyez que finalement, le jeu en valait la chandelle. Donc voilà, maintenant nous n'avons plus rien à faire pour le moment au Mont du Péril. Il va être temps de continuer notre quête et notre prochaine destination sera le marché. Nous allons commencer la quête des masques, mais avant cela, nous avons une chose à faire. Plusieurs choses à faire au marché. En fait, c'est un même jeu que nous allons devoir faire plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes récompenses à obtenir. Et l'une d'entre elles... Enfin, on a trois récompenses intéressantes à obtenir. La première, je vais vous le dévoiler de toute façon, la première c'est le gros sac de bombes. Le second, ce sont des bombes souris, appelées également missiles teigneux. Et la troisième, c'est un quart de cœur. Mais le problème, c'est que dans ce jeu, les récompenses sont aléatoires. Donc, il va falloir faire preuve de patience. Au pire des cas, je pourrais faire quelques petites ellipses pour éviter de filer 42 parties. Bon, en attendant, donc on va retourner vers le marché. Évidemment, il y a les deux jours, parce que c'est pas le top. Étant donné que ces machins ne sont pas ouverts. Et puis, évidemment, quand on sera là-bas, on en profitera pour commencer la quête de la foire aux masques.
Bien, alors on va ressortir de là. Je vais quand même demander à monsieur le soldat pendu de quelle heure il est pour voir si j'aurais besoin de jouer le chant du soleil ou pas. Parce que bon, ça m'arrangerait de ne pas avoir à le jouer. Bonjour monsieur le soldat pendu, quelle heure il se fait? Hé l'ami, que fais-tu dehors à une heure pareille? Oh, je vois, tu mets ton courage à l'épreuve, hein? Alors pourquoi ne pas faire un au cimetière? Allez, circule, j'ai du travail. Ding dong ding dong. Au quatrième top, il sera 2h56. Bon, 2h56, il n'y aura pas besoin. Le soleil se lève à 6h. On est tranquille de ce côté-là. Tant d'y aller, il faudra peut-être attendre. Pas plus de 15 secondes, le temps que le jour se lève. Et accessoirement que le pont-levis s'abaisse. Voilà, vous voyez, la lune se couche. Le soleil va se lever, ça va être une belle... Bon, évitez de faire des slogans de pub aussi. Et là, regardez, si ça c'est pas du timing, je sais pas ce que c'est, mais... On est pile devant, et au... on est devant le pont-levis au moment où il s'abaisse au champ du coq. C'est pas merveilleux, ça? Et donc voilà, il est très tôt du matin, et vous allez voir que le marché est déjà très animé à cette heure-ci. Il doit pas être plus de 7h in-game de toute façon. Regardez, les gars. Regardez le marché, comment il est animé. Avant de faire ce que je veux faire, je vais d'abord aller chercher ce petit pouvoir du côté du château. C'est par ici que ça se passe. Donc vous voyez, rien de plus simple, hein. On refait le chemin qu'on a fait en sens inverse, enfin pas en sens inverse, mais on va le refaire à moitié. Cette fois-ci, la cité d'ailleurs, à quelle heure je suis rentré dans le marché que j'en regarde, il sera 8h08. Voilà, vous voyez, je suis rentré, il devait même pas être 7h du matin, quoi. Voilà, vous voyez ce passage là-bas, donc avec un panneau. C'est donc ici que nous allons nous rendre pour la suite des événements. Des jours. Un passe. Un cours. Pour équiper l'ocarina, parce qu'on va en avoir besoin, si nous allons trouver une nouvelle fontaine royale des fées. C'est par ici que ça se passe. Fontaine royale des fées qui a une flamme verte. Regardez ce qui va se passer, donc on joue la verseuse. Et c'est parti mon kiki. Oh. Donc une nouvelle grande fée. Pop. Bonjour madame la fée. Bienvenue Babou. Je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège. Utilise-le avec soin. Bien, regardez ce que nous allons recevoir comme sort. Comme quoi, Zelda a toujours des éléments RPG, d'ailleurs ils sont bons. C'est pour ça que ça s'appelle un ARPG, aventure RPG. Voilà, nous recevons le feu de Dean. Ça permet d'invoquer une aura de feu destructrice. Voilà. Le feu de Dean consumera tes ennemis et certains obstacles. Si les batailles un jour t'épuisent, j'appellerai des déçus. D'ailleurs, en termes de sort, pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble le feu de Dean, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, parmi ceux qui me regardent, qui jouent à Guild Wars 2. En fait, je sais plus c'est avec quelle arme, mais l'élémentaliste en fait a un sort qui s'appelle Mur de Feu. En fait, ça crée une zone autour de vous. Et en fait, les ennemis qui la traversent sont brûlés. Bon, là, en fait, c'est l'aura qui part de vous, qui s'étend sur une certaine distance. C'est à peu près pareil. Ce serait des... En fait, je suis en train de chercher... Je suis dans mon exemple de Guild Wars. Je suis en train de chercher des sorts qui pourraient ressembler à ça. Peut-être là, du Djinn de Flamme, si vous avez joué au 1.